Il n'y a pas d'anglophone, donc Ouais, apparemment non, mais bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Ceux qui sont en remote, distance? Yes. Ouais. Yes, ok, parfait, merci. Sinon, vous pourrez écrire sur le chat si ça ressemble à vous. Du coup, on démarre cette 14e meet-up. Cette fois-ci, c'est à Lyon. Comme je le sais, on continue un peu avec la tournée du meet-up en France. C'est le deuxième qu'on fait en dehors de Paris. Celui d'avant, c'était à Bordeaux. Et du coup, celui-là, ça va être peut-être un peu plus intime parce que je pense qu'avec l'effet des vacances, Covid, pont et tout ça, voilà, ça va être un peu moins nombreux, mais justement, on enregistre l'événement pour aussi les gens qui veulent le regarder après. Et merci aussi aux 100% d'un remote. Ça anime un peu plus l'événement. N'hésitez pas à poser des questions aussi ou pendant le meet-up de vos questions dans le chat directement. Du coup, je vous présente un peu le programme de la soirée. On démarre avec un peu de retard, mais bon, je pense qu'après, on peut se rattraper. Du coup, comme je sais, bon, là, on attendait un peu les participants. Après, on va présenter un peu le programme, mais aussi le sponsor. Il y a un speech de Microsoft qui serait le sponsor de ce soir pour la partie, pour le versement de YouTube. On est ensemble, super, c'est trop bien, très spacieux à Lyon. Et du coup, après, je vais parler un peu des news du groupe et après, on passe à la partie présentation du talk. Du coup, il y a Ian qui va présenter un peu toute la partie de comment opérer ou concevoir une structure serverless. C'est un talk que j'entendais depuis un moment. C'est assez intéressant, du coup, là, on va parler bien sur ça. Et après, il y a Mathieu qui va parler des Ignition pour positionner des machines, en tout cas, dans le cloud. Et voilà, du coup, après, on passe à la partie des questions. Si quelqu'un a des questions de ces présentations-là, sur ce sujet-là, ou du top ou pour le top. On parlait du coup justement avec Mathieu, on avait quelques idées des prochains meet-up. Du coup, voilà, du coup, on va vous partager ça aussi. Et à la fin, on a l'apéro, ce qu'on fera ici dans le code de Microsoft à Lyon. Et du coup, voilà, ça c'est le programme. Du coup, si tu veux, Mathieu, t'as présenté la partie de sponsor. Ouais, merci. Bonjour. Merci Pablo pour la petite présentation. Du coup, donc Mathieu Tortueux, je suis en train de parler, c'est les personnes qui sont à distance. Je vais présenter un petit peu l'endroit où on est. Donc, j'ai décidé de parler de Microsoft Lab et pas de Microsoft de manière générale parce que je trouvais ça un peu plus pertinent de présenter le lieu où on est. Donc, en fait, les Microsoft Lab, c'est des espaces un petit peu à la croisée de plusieurs vocations. Il y a l'innovation qui est faite dans ces endroits-là, l'idéation, c'est aussi un lieu de connexion en fait entre Microsoft et les partenaires de Microsoft. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a de quoi accueillir des présentations, des conférences, des formations. Et en fait, c'est vraiment pour montrer que Microsoft est en dehors de Paris aussi et a une certaine proximité avec les partenaires. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, si ce n'est qu'il y a d'autres Microsoft Labs comme ça qui sont en France. Donc on a à Nantes, Toulouse, Bordeaux, Lyon et Marseille du coup. Donc, je suis pas un expert pour faire ce genre de présentation, donc je redonne la main à Pablo pour la suite. Yes. Merci Mathieu. Et merci aussi pour toute la question pour trouver le logement aussi. Super. Je pense qu'on va pouvoir continuer à collaborer avec eux. Du coup, on passe à la section des news. Du coup, les news un peu comme d'habitude. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a un groupe Telegram où on discute en tout cas des sujets serveurs, mais aussi du groupe au niveau des prochains événements, des organisations, des projets qu'on a au sein du groupe. Projets, je parle parfois des projets du code. Hein. Après, pas que. Mais voilà, du coup, n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui ne connaissent pas encore le groupe Telegram. Il y a deux types de groupes. Il y a un où on peut s'abonner juste pour recevoir des news en mode podcast. Il y a un autre où on peut discuter, échanger avec notre même groupe. Du coup, n'hésitez pas voilà, à aller voir si ça vous intéresse. Ça, vous pouvez être un peu à jour de toutes les activités du groupe. Voilà. Aussi, pour info, il n'y a pas longtemps, aussi, on a créé un compte Twitter, pour ceux qui utilisent Twitter, où on peut suivre un peu toutes les mêmes actualités qu'on poste sur le
chat en Telegram. Sauf que bon, voilà, peut-être que c'est des autres types de discussions qu'on peut avoir plus tard. Donc, c'était pas aussi à vous abonner. Donc, ça, c'est un peu le news un peu classique, pour ceux qui ne connaissent pas un peu le moyen de communication du groupe. Et l'une des principales nouveautés, en tout cas, du groupe, ou la bonne nouvelle d'il y a pas longtemps, c'était que depuis quelques jours, on a les serveurs France qui fait une inscription, c'est une inscription de loi 1901. Et, du coup, ça implique beaucoup de choses, mais principalement, c'est une question non lucrative. Mais aussi, ça aide à améliorer ou à trouver des événements, on a réussi des événements un peu plus larges ou avec un autre type de sponsoring aussi. Parce que parfois, pour certains entreprises, c'est plus facile de soit de faire des dons, soit de co-organiser des événements quand il y a une association derrière, plutôt que juste de le faire avec moi, Mathieu ou quelqu'un d'autre. Et du coup, voilà, du coup, ça ouvre pas mal de portes à aider aussi à d'autres événements de la communauté, en tout cas SRO, DevOps, en France, pas qu'à Paris, évidemment. Du coup, voilà, ça, c'était pas mal de travail, principalement avec les Mathieu et un peu sa copine aussi. Du coup, merci à eux. Et voilà, du coup, je pense qu'en parlant de ça aussi, le fait d'être une association, ça aide, ça fait bien avec l'événement dont on a parlé aussi la dernière fois, qu'on est en train d'organiser, on le sait. Ça va être un summer camp. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement. L'idée, c'est de faire un événement qui va être, on va le faire à peu près près de la nature. L'idée, c'est de le faire dans les Alpes, à peu près. C'est un peu entre Lyon, Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry, dans cette fin-là. Et l'idée, c'est que c'est de faire un événement où on a des présentations, des talks, des workshops dans la matinée, par exemple, et l'après-midi, faire des activités plus comme de la randonnée, de l'escalade ou des autres activités aquatiques à côté du lac, à Aix-les-Bains. L'idée, c'est parce qu'on trouvait que parfois, surtout, on ne voulait pas se limiter justement à parler juste du côté technique, parce qu'on sait que parfois, il y a des discussions ou des sujets qui peuvent être abordés de façon différente en discutant, en marchant ou en faisant des activités. Du coup, c'est principalement ça l'idée. Et voilà, et du coup, l'idée, c'est aussi de casser un peu cette cliché de ces informaticiens qui sont toujours derrière un ordinateur. Donc voilà, on peut faire aussi des sympas. Et profiter aussi, apprendre des choses du côté technique, mais aussi profiter un peu de la nature. Voilà. Du coup, on est en train de préparer cette activité-là. Il y a aussi Ring qui nous aide avec l'organisation. Du coup, s'il y a des gens qui sont volontaires pour aider avec l'organisation, ou juste si vous pensez que vous connaissez quelqu'un qui peut aider, n'hésitez pas aussi à venir vous parler. Du coup, voilà, l'idée pour l'instant, ça va être un événement du type un peu meet-up, un peu, ça ne va pas être un grand événement, hein. Peut-être on vise à peu près une vingtaine, une trentaine de personnes pour l'instant, c'est pour une première édition. Mais voilà, du coup, voilà, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des idées sur ça. Voilà, facilement, l'idée, c'est de le faire peut-être fin de l'été, vers septembre. Pour l'instant, on n'a pas une date officielle, mais voilà, on est en train de préparer ça. On aura plus des news justement sur les canaux de communication que je citais tout à l'heure. Du coup, voilà, n'hésitez pas à suivre un peu les informations. Et là, on passe du coup aux présentations. Et du coup, je laisse la main à Yann pour la première présentation. Alors. Mais c'est correct si tu restes là ou si tu veux te mettre sur le pupitre. Du coup, il faut que tu partages ton écran. Ouais, tu peux le partager normalement. Alors, je vais me Nickel. Parfait. Tu peux te mettre là, c'est une chose, c'est plus pratique. Hein. Ouais, c'est là. Et puis, si tu veux allumer ta cam, que les gens te voient aussi. Alors, ouais, c'est bon. N'hésite pas à parler, bon, pas forcément très fort, mais ça entend bien, mais le micro est dans la télé. Il est dans la télé, ok. Station de son, ouais. Et là. Très bien. Et là, moi, je vais vous parler aujourd'hui de comment, chez Cueillette, on construit une plateforme serverless. Puisque notre métier consiste plus ou moins en ça, et de l'aspect infrastructure et de l'aspect justement opérateur d'une plateforme serverless.
Donc, pour rentrer dans le sujet, moi, je suis Yann, je suis cofondateur et CEO de Coyeb. J'ai passé les 10 dernières années à construire des cloud service providers en Europe. Donc, d'abord chez Hotscale, qui est un cloud service provider français, si vous ne connaissez pas, qui appartient à Dassault Systèmes. Ensuite, chez Scaleware, pendant quelques années. Et puis, depuis 2019, chez Coyeb. Et globalement, l'histoire, c'est que si vous me cherchez dans les 10 prochaines années, je serai toujours pas loin de la construction d'un cloud service provider, très probablement. C'est ce que disent les gens qui m'intéressent depuis un certain temps. Cool. Donc, pour commencer, le sujet d'aujourd'hui qui est autour du serverless, je vais juste redonner notre définition du serverless, puisque c'est un mot un peu fourre-tout qui est devenu encore plus fourre-tout avec les années, puisque ça a changé dans les dernières années encore. Puis ça a été popularisé en 2015. Nous, on ne voit pas le serverless comme une face, comme une function as a service. On voit ça comme quelque chose de plus large qui consiste à abstraire l'infrastructure et à faire en sorte qu'il n'y ait pas de gestion d'infrastructure. Et donc, ce qu'on essaye d'apporter avec cette notion de serverless, c'est de faire en sorte que tout ce qui est attendu d'une plateforme moderne aujourd'hui soit by design, donc que ce soit résilient, scalable, que ça soit le déploiement sur la plateforme soit rapide et puisse déployer en continu facilement, qu'on ait les bénéfices attendus de ce genre de plateforme, à savoir de déployer plus vite en production, tout en conservant les coûts d'engineering maîtrisés. Et un des aspects clés, c'est surtout qu'il n'y ait pas d'apprentissage spécifique à l'acteur. C'est pour ça qu'on ne fait pas des fonctions, puisque la majorité du temps, aujourd'hui, ça reste mon standard ligne. Donc, on fait en sorte que vous puissiez déployer aussi bien des conteneurs que depuis un repository de code Git, sans avoir à adapter votre application. Donc, à quoi ça ressemble? Et après, on va parler de comment on l'a construit, cette plateforme. Nous, on abstrait donc ces plateformes complètement managées. Les utilisateurs sign-up et ils ont accès à la plateforme en 3 minutes et peuvent déployer une application en littéralement 3 minutes. Et on abstrait différentes fonctions du spec. On abstrait aussi bien les cloud service providers que les serveurs, le réseau, les fonctionnalités de continuous deployment. Et on va plus loin que ça, dans le sens où on intègre aussi, par exemple, un mesh network et du caching global. Donc aujourd'hui, on va creuser sur comment tout ça marche d'un point de vue technique. Quand on sait ça, nos prérequis ils sont techniques. Ils sont d'avoir, quand on a construit la plateforme, globalement, c'était d'avoir des temps de build et d'exécution qui étaient rapides, des performances qui ne sont pas moins bonnes que sur des solutions standards. C'est aussi bien au niveau du build où, en général, il y a beaucoup de situations où les développeurs se retrouvent à déployer en production et c'est très compliqué de build l'application et de la déployer. Merci beaucoup. C'est utile avec le soleil. Magnifique, avec cette vue, magnifique. Donc ça, c'est c'était un de nos premiers objectifs. Ensuite, on voulait faire en sorte que les utilisateurs puissent déployer globalement partout dans le monde. Avec une expérience unifiée. Et en tant que cloud service provider, on a un requirement qui est que ça soit secure et que ça soit multi-tenant, puisqu'on héberge plusieurs clients sur une plateforme complètement managée. Et à la fin, on a besoin que tout ça soit scalable, dans le sens qu'on puisse. On a cet enjeu de multi-tenancy avec aussi bien on doit supporter notre propre croissance que la croissance des clients. Donc, ça fait que c'est un enjeu qui arrive assez rapidement comparativement à d'autres produits. Maintenant qu'on sait ça, quand on a fait le choix, quand on a construit la plateforme, on a identifié 4 niveaux d'abstraction sur lesquels on aurait pu se reposer. On va creuser ça justement et voir ce qu'on a choisi. Pourquoi on a choisi ça.
Le premier niveau d'abstraction qu'on a identifié, c'est les primitives des cas de service provider. On a pu nous-mêmes se focaliser sur l'expérience et reconstruire sur des cloud service provider existants, on a pu par exemple construire avec Lambda ou Cloud Run côté AWS si vous êtes familier avec ces produits-là, et avec il y a des produits d'équivalence sur les côtés ou Azure, sur lesquels on aurait pu reposer nous-mêmes. L'avantage, c'est que ça aurait été rapide à développer. Le contre-avantage, la raison qui nous a poussé à ne pas le faire, et je crois que je spoil la slide, les slides d'après, c'est qu'on serait limité par le choix qu'on a fait d'un point de vue provider et par leurs limitations. Parce que chacun des produits qui existent sur le marché ont des limitations propres avec lesquelles on aurait dû faire. La deuxième option, qui est assez trendy, c'est de faire du Kubernetes. L'avantage, c'est que c'est relativement portable d'un acteur à un autre, c'est stable, c'est plutôt flexible. On a une communauté importante, donc ce qui vient pour recruter aussi d'un point de vue engineering, puis c'est plutôt hype. Le désavantage, c'est que c'est quand même relativement complexe qu'il faut avoir quand même une compréhension de Kubernetes. Et ce qu'il faut aussi voir d'ailleurs dans tous ces choix, c'est que c'est des choix que vous-même, si vous, quand vous prenez des décisions de déploiement, vous êtes plus ou moins confronté en général au même choix. On l'a d'un point de vue en tant que cloud service provider, mais n'importe quelle boîte a ce genre de décision à faire. Et nous, on va toujours recommander d'aller vers la solution la plus haut niveau si ce n'est pas votre métier. La troisième solution, c'est de construire une stack software custom qui correspond à nos besoins au-dessus de machines virtuelles ou au-dessus de serveurs bare metal. L'avantage, c'est que c'est très flexible, mais c'est plus lent à construire que si on proposait sur des primitives de cloud service provider. Et la dernière option, carrément radicale, c'est carrément aller raquer nos propres machines, ce qu'on a fait dans une vie précédente. Donc voilà, l'intégralité du contrôle, toute la flexibilité, mais c'est très long et c'est carrément un autre métier, c'est complexe. Il y a même des problèmes de supply chain, des problèmes assez classiques de frontières dans le monde, ce genre de choses avec lesquelles il faut jouer aussi si on fait ce choix-là. On se retrouve donc avec ces quatre choix. Le premier choix, les primitives des cloud service provider. Deuxième choix, Kubernetes. Troisième choix, construire notre propre stack software quatrième choix, raquer nos propres infrastructures. Donc, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on va systématiquement vous dire si vous n'êtes pas une boîte qui a vraiment quelque chose de spécifique qui fait de l'infrastructure, faites le 1. C'est dans notre intérêt parce que c'est notre business. On vend un produit haut niveau, mais même si vous allez passer chez nous, ne reconstruisez pas tout, même si vous n'en avez pas besoin. On est parti initialement sur du Kubernetes. Ça, c'était le premier choix qu'on a fait. Donc, on a construit une première stack sur Kubernetes. Les problèmes qu'on a rencontrés, c'est qu'on trouvait ça fondamentalement assez complexe et plutôt dans le sens où c'est plutôt relativement difficile à étendre puisque c'est une grosse code base. À cette époque-là, les aspects de sécurité multi-tenancy n'étaient pas complètement build nativement dans Kubernetes. Donc, c'est un sujet à part entière, mais les technologies sur lesquelles on peut se reposer en termes de virtualisation, il n'y avait pas quelque chose qui nous convenait. Comme ça. L'aspect global, le fait de pouvoir en déployer dans plusieurs régions du monde, de gérer des clusters distribués, c'est pas quelque chose qui est complètement natif dans le Kubernetes. D'un point de vue release aussi, il faut suivre toutes les mises à jour qui sont faites, qu'on subit plutôt quand on n'est pas core maintenant ou qu'on ne drive pas la roadmap. Et les release cycles de Kubernetes sont quand même assez courts, donc sauf si ça a changé depuis, jusqu'à peu, c'était il fallait mettre à jour tous les deux mois, enfin, il y a des nouvelles versions tous les deux mois. Et les tests étaient très short. Et derrière, bon, on a aussi un impact en mémoire qui n'était pas négligeable avec tous les process de base.
nous, notre vision de Kubernetes, c'est que c'est une très bonne plateforme, mais c'est une plateforme généraliste d'orchestration. On voit Kubernetes comme quelque chose d'assez similaire pour WebStack à l'époque, à savoir que c'est quelque chose qui permet de développer, de déployer un peu tout, mais qui résulte à beaucoup de choses quand on n'en a pas nécessairement le besoin. Nous, en tant que cloud service provider, on a besoin de comprendre l'intégralité des internals et de pouvoir l'étendre facilement. Donc, c'est spécifique à notre métier. Et on n'a pas envie de dépenser nécessairement du temps et de l'énergie pour suivre des mises à jour de Kubernetes qui sont pas n'apportent potentiellement rien à notre plateforme puisque c'est des choses qui sont pas directement liées. Enfin, j'ai pas revérifié le packaging, mais par exemple, les extensions de Kubernetes sur des déploiements sur des satellites, bah, ça n'a pas trop d'intérêt pour nous. Hein. Donc, on a fini par sortir de cette solution à base de Kubernetes et par construire une stack custom qui correspond à notre besoin, qui est moins flexible, mais plus efficace pour notre usage. Et cette stack custom ressemble à ça. Donc, on a l'orchestration des conteneurs qui est faite avec Nomad, la virtualisation qui est faite avec Firecracker. On repose sur des cas de sur du bare metal, donc ça peut être différents providers, pas spécifique à un seul provider. Et on a l'aspect du networking, tout ce qui est connectivité, avec un service mesh et du service discovery, qui est fait avec Kuma et Envoy. On va creuser tous ces points. La stack, elle ressemble à ça, après, en version simplifiée, donc à gauche, on voit ce qu'on appelle la control plane, donc il y a l'API Coyette qui communique avec un serveur Nomad. Et à droite, on a ce qu'on appelle la data plane, qui correspond à chaque hyperviseur. Et sur chacun des hyperviseurs, donc vous allez avoir du CoreOS, un client Nomad, ensuite, vous allez avoir des conteneurs qui tournent au sein de MicroVM Firecracker avec des sidecars qui sont orchestrés par moi, qui sont des sidecars Envoy. Tout ça, donc, on a Nomad qui fait ce rôle d'orchestration. Donc, si vous n'êtes pas familier, la raison pour laquelle on est parti avec Nomad en tant que technologie d'orchestration, c'est que c'est facilement extensible, hein, c'est simple à utiliser. Ils ont des fonctionnalités multi-région qui sont utiles dans le produit. Le footprint est plus petit et c'est plus simple en fait. Globalement, le footprint du projet est plus petit et c'est plus facile à scaler en fait, dans notre expérience que Kubernetes. Ensuite, côté virtualisation, je parlais de Firecracker tout à l'heure, donc c'est un VMM, Virtual Machine Monitor, qui repose sur KVM. Donc, pour ceux qui sont familiers avec les trucs de virtualisation KVM, c'est ce qui est utilisé, qui sont moins familiers, c'est KVM, c'est tout ce qui est utilisé majoritairement par les providers d'IAS. Aujourd'hui, c'est le standard sur les gens qui font des VM en pleine, qui font des VM complètes. Et en fait, Firecracker, c'est une version allégée, optimisée pour démarrer plus rapidement. Donc, ce qui est important pour la partie auto-scaling, typiquement, ça a été open sourcé par AWS. Et un des éléments importants, c'est que c'est pas un orchestrateur, c'est vraiment la couche de virtualisation, ça fait rien d'autre, et de sécurisation. Et ça permet de sécuriser les workloads des conteneurs et de faire en sorte que si vous voulez faire tourner un multitenant, ça repose sur la virtualisation matérielle pour sécuriser entre deux clients. Sur la couche réseau, on utilise Kuma qui fournit un service mesh et donc qui nous permet à la fin d'avoir un déploiement de service qui est complètement automatisé pour l'utilisateur final. Donc Kuma, ça orchestre des sidecar Envoy, en fait, c'est juste une couche d'orchestration. Et ce que ça permet d'un point de vue utilisateur, c'est avec les connexion entre le service à service relativement chiffré. Il y a du TLS qui
qui est automatique. Le DNS est provisionné complètement automatiquement entre les, quand vous déployez un microservice au sein de la plateforme. Vous avez nativement du load balancing layer 7 et c'est pour notre objectif, si vous vous rappelez, c'est que c'est complètement transparent pour le développeur final. Enfin, un développeur final peut communiquer entre ces services sans se préoccuper de tout ça. Il n'a pas besoin de développer son service. Donc, Kuma, ça c'est une vue avec Kuma en fait. Donc, le Kuma, c'est ce que je disais, c'est la partie control pane. Donc, ça fait l'orchestration. Donc, on voit à gauche pour la control pane, il y a Kuma dedans. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il orchestre les sidecars Envoy. Donc, en réalité, on se package techniquement dans Kuma. Et ça assure la connexion entre les différentes micro-VM, même si elles sont sur différents serveurs physiques. Et ça marche aussi si vous êtes à travers un réseau public, à travers Internet, ça va aussi chiffrer intimement la connexion. Et on a fait un autre talk sur la partie service mesh, je l'ai dit, c'est un sujet à part entière. Et surtout en multi-région, il y a un tas de questions d'implémentation. Mais voilà à quoi ça ressemble à déployer en production un stack. Et puis après, point additionnel, on fournit du global load balancing et du caching qui est fourni. Donc ça c'est globalement en fait, toutes les connexions quand vous rentrez sur la plateforme. On a un edge network qui s'occupe du load balancing et du caching de terminer une connexion TLS et qui va ensuite rejoindre se connecter au service mesh. Donc c'est le petit envoy que vous voyez à droite, c'est le nouveau rose violet. Et qui va vous permettre de joindre tous vos services. Et en fait, justement, ça permet aussi d'avoir des connexions transparentes inter-régionales. Dans cet exemple, il y a un service qui est déployé aux US, un service en France, sur différents cloud service providers. Et tout ça, c'est transparent pour l'utilisateur final. D'un point de vue, nous on parle souvent de ces sujets et on parle à des communautés qui sont plus ou moins néophytes. Donc là, c'est une communauté plus avancée que puisque c'est le métier des gens qui écoutent, je pense, de gérer des plateformes de production. Tous ces choix, ils ont des impacts qui remontent en général dans les décisions produits. Et en fait, surtout si vous avez à déployer des clusters de production Kubernetes, par exemple, la question de la sécurité quand vous hébergez, quand vous faites du SaaS, si c'est du SaaS avec des instances individuelles ou autres, tout ça, c'est des questions quand même qui reviennent. Quoi. Donc le choix de ces technologies n'est pas sans impact derrière. Firecracker, typiquement, bon, c'est une technologie qui rend possible le scaling 0 et le scaling. L'overhead associé à ces technologies rend aussi le découpage en fonction, par exemple, possible. Donc, le fait de réduire l'overhead sur la virtualisation, ça fait qu'on peut déployer des fonctions qui prennent que 128 MHz de RAM ou 64 sans que ça soit absurde. Parce que si on se retrouve si on a des technologies sous-jacentes pour l'entreprise, chaque déploiement de 200 MHz, c'est un peu compliqué. Et un point pour nous qui est critique dans tout ça, c'est le réseau en fait, qui est souvent un peu le parent pauvre, puis les services mesh qui ne sont pas forcément extrêmement évolués, mais ça fait partie des complexités de déploiement aussi. Puis il y a pas mal de choses qui m'ont évolué dans ce space-là. Donc voilà, le tour. Merci, Nicolas. Oui, c'est bon. Du coup, merci, Elian. On peut passer à la partie des questions, je pense. Ouais. Du coup, je ne sais pas si Gaël ou Adrien, ils ont des questions. N'hésitez pas à les poster sur votre chat ou du moins, on parle du micro. Hein. Ouais, directement au micro, là, vous ne parlez pas beaucoup.
Moi, j'avais quelques questions. C'est très intéressant. Déjà, pour moi, la première question, quand tu parlais justement de la différence entre que maintenant, à niveau serverless, comment ça s'est devenu un peu plus flou entre ce qui est de conscience de service et de PaaS pratiquement. Du coup, dans ce cas-là, comme dit pour votre plateforme, vous considérez que c'est un mélange des deux, c'est du PaaS ou de. Bah, nous, notre vision du serverless, donc ça a été. Les gens qui ont sorti pour la première fois le mot dans les entreprises qui a vulgarisé le terme, je pense que c'est AWS avec Lambda. Mm-hmm. Et donc, ils ont associé ça au PaaS. Mm-hmm. Sauf que la réalité, c'est que même eux, ils l'associent plus uniquement qu'au PaaS. Donc, nous, ce qu'on entend dans serverless, notre définition, ça va un peu plus loin, mais c'est auto-scaling, auto-healing. Mm-hmm. Et donc, c'est tout ce qui fait que. Et ça s'applique plutôt pas mal quand on regarde les différents produits du marché. Donc, il y a, typiquement, il y a AWS, par exemple, ils ont Fargate sur la partie conteneur qui fait ça. Mais par exemple, il y a à côté DB, il y a Cockroachqui a une offre maintenant serverless, ou il y a Exata qui a une serverless. Et Cockroachet Exata, c'est des bases de données. Et donc, donc voilà, donc c'est ça que nous on associe avec le terme serverless, on associe auto-scaling, auto-healing principalement. On pense que c'est ce qu'ont tous ces produits en commun, c'est ce qui se cache derrière la terminologie marketing serverless. En tout cas, c'est notre définition. Et après, bon, bah, c'est là où, c'est ce que je disais un peu plus tôt, nous, pour nous, ça va plus loin dans, sur l'aspect compute ou quelque chose où. Tu as juste des conteneurs qui auto-scale, sans que tu puisses les déployer facilement, bon, bah, t'as pas la moitié du travail, quoi. Nous, c'est, voilà, après, c'est notre vision, c'est notre plateforme, c'est comme, c'est, on fait en sorte que, ça, que les développeurs puissent s'approcher de la partie ops et le plus possible. Après, la réalité, c'est qu'ils ont toujours besoin de ces compétences-là pour la standardisation, mais c'est plus une vision. Mm-hmm. Ok. Et j'avais une deuxième question, juste après, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des questions aussi. Mais pour la partie Firecracker, justement, c'est trop bien de voir qu'il y a des gens qui l'utilisent. Pendant ça, j'avais pas, c'était juste pour ça, mais pas forcément de prodriving. Mais du coup, est-ce que tu as, par rapport à l'usage que vous faites actuellement, est-ce que tu as des, je sais pas, des choses que tu as vues qu'il ne faut pas faire, ou qu'il faut faire un peu le retour d'expérience sur Firecracker? Parce que, pour résumer, hein, je pense que ça peut être large. Ouais, merci. On peut faire un talk sur les techniques de customisation, ouais. Sur pourquoi on en arrive à Firecracker. nous, on l'a choisi tout simplement parce que c'était de la virtualisation matérielle. Et en fait, c'est le même combat que historiquement, les conteneurs, ces groupes, versus à l'époque, si on regarde en 2010, la virtualisation des gens qui vendaient des VPS, des VPS ou OpenVZ ou avec des CGO. Et après, bon, tout ça, ça a disparu, profit qu'il y avait, moi. Donc, nous, on pense que le standard sur la virtualisation légère, ça va finir par être Firecracker, ou pas nécessairement, parce qu'en fait, ou un autre fork, parce qu'en réalité, j'ai simplifié ça, en disant que ça repose de KVM, mais c'est un fork d'un truc de Google. AWS a forké d'un truc de Google. Voilà. Et dans les limitations, pour revenir à la question, dans les limitations qu'on a vues aujourd'hui, pour globalement, ça marche bien. Après, ils ont stripped down des trucs qui marchaient, donc en fait, ils ont enlevé des composants d'un truc existant. Mais résultat, typiquement, ce que tu ne peux pas faire avec Firecracker, c'est que tu ne peux pas faire du PCI Passo, par exemple. Donc, si tu as besoin d'exposer des GPU, tu ne peux pas le faire avec Firecracker. C'est une autre technologie d'insulation. Donc, ça, c'est dans les limitations qu'on a vues. Après, sinon, en production, ça marche. Ok, merci. Et puis, ça marche, puisque c'est leur style d'utilité derrière, ouais. Lambda et Fargate. Moi, j'ai deux petites questions. En termes d'architecture, est-ce que vous êtes proposé du ARM ou que du AMD pour l'instant? Je sais qu'Equinix Metal fait du ARM aussi, donc je me demandais si. C'est rigolo que tu poses cette question parce que historiquement, notre play chez Scaleway, quand on est rentré sur le marché avec de l'ARM. Okay. Dans une autre vie, sauf que c'était en 2014, il n'y avait rien qui marchait, mais c'est une autre histoire. Et qu'en tout temps, c'est devenu un peu plus mainstream. Et ouais, Equinix Metal, mainstream, et Equinix Metal a fourni de l'ARM. Donc on ne le fait pas. On se demandait est-ce qu'on faisait un truc
Justement, on propose de la langue pour l'instant, bon, on n'a pas trop la demande, mais on est capable de le faire techniquement. D'accord. Toutes les technos là, ouais, supportent derrière. Firecracker et tout. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. Firecracker, c'est une bonne question. Alors là, je ne sais pas répondre, mais je crois qu'ils font de l'ARM. Okay. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Et j'avais une autre petite question aussi. Toute cette stack-là, comment est-ce que vous faites pour la partie monitoring? Est-ce que vous... Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à surveiller, pas mal de métriques qui remontent. Donc du coup, est-ce que vous avez un outil que vous avez pour ETX ou machin, vous savez tout gérer avec ça, ou est-ce que c'est utilisé ou... Alors, non, en tout cas, je sais ça, c'était vrai en plus que je dois préparer, mais on est en train de... on a une... En fait, en gros, Kuma, ça représente des Envoy. Envoy, ils ont un truc de sérialité routine, on strappe avec vraiment. Oui, d'avoir du IBPF aussi qui a remonté aussi, je pense. IBPF, si tu veux remonter. Il n'y a pas, ils n'utilisent pas, enfin, ils vont sûrement le faire, mais okay. Non, ils vont sûrement, parce que c'est vraiment un modèle 100% sidecar. Ils okay. vont sûrement ajouter de IBPF. Et ouais, non, on a une stack qu'on est en train de. Ils disent la feature en setter finaux, mais on strap. Ça hein. Et après ça, on peut aussi du endpoint tracing avec Jaeger ou encore écrit tout le couteau, donc, ouais, t'as pas eu le temps de creuser ça. Non, mais si j'ai c'est avec du Grafana, quoi. C'est une stack Grafana from, et il a sur la partie rétention des métriques on a une ligne. Oh cool. Et on vient juste déployer en production. Ouais, parce que de toute façon, Mimir, c'est assez récent. Hein, donc, ouais. Ouais, cool. On a les problèmes de. Enfin, ça ne tient pas à ce problème, donc. Enfin, par rapport au volume et à la rétention. Justement, Mimir, c'était designé pour ça aussi, pouvoir avoir des plus gros volumes de données time series. Cool. Ouais, merci pour le. Merci beaucoup. Merci. Du coup, on peut passer à la prochaine présentation. Une personne sur deux qui est présente ce soir. Bon, j'ai commandé les pizzas. Ça m'intéresse. J'espère que ça arrivera à temps pour contrat, mais normalement. C'est... Bon, ouais, je t'énorme. Tu pars à 21h40. À 20h40. Ouais, ça devrait être d'ailleurs. Au pire, tu vas prendre le train avec toi. C'est ça. Je vais m'emporter. Non, ouais. Où est-ce que je me mets? J'essaie de faire de loin le soleil, là chez moi. Je vais faire comme ça, je me mets. Ah oui, je comprends ton problème. Oui, c'est là que tu me mets. Oui, vous êtes devant. En fait, vous êtes caché par l'écran, c'est comme devant. Ici, là, c'est pas. L'écran, ça. Ah, ouais, là, c'est pas. Je sais pas regarder à droite, à gauche. Ouais, je vais partager en vue, ouais. Alors, je vais mettre le slide. Ouais, OK. Ok, ouais, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux ce soir pour cette conférence pour parler d'Ignition et Butane. Donc, un petit clin d'œil dans le sous-titre du talk, hein, c'est une chanson de Rage Against the Machine, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais voilà, je trouvais ça rigolo de faire ça. Donc, je vais me présenter rapidement.
Je suis ingénieur chez Microsoft depuis un an et quelques, suite au rachat de l'entreprise Kinvolk par le groupe Microsoft. Et je travaille principalement avec l'équipe Flatcar, donc sur trois axes principaux, le test, l'automatisation des tests de Flatcar. Donc, Flatcar, c'est un OS qui est dédié pour faire rouler du conteneur dans le cloud et en virtual. Tu as parlé de Fedora CoreOS tout à l'heure, donc voilà, c'est un peu un autre acteur sur le marché, on va dire, pour faire ce genre de choses. Et du coup, je travaille donc, voilà, sur l'écriture des tests avant chaque release pour être sûr qu'on n'a aucune régression. Je travaille aussi sur la partie SELinux de Flatcar, donc pour assurer un peu de la sécurité et l'isolation plus des process et des conteneurs qui roulent sur l'OS. Et en dernier point, je travaille sur la partie Ignition et Butane dont je vais vous parler aujourd'hui. Je maintiens ça sur l'OS, ainsi que quelques patchs downstream qu'on a chez nous. On n'arrive pas encore à exporter upstream parce que... Oula, quoi. Intéressant. Et dans le civil, comme vous l'avez ainsi dit, je suis bénévole dans une asso Ingénieurs sans frontières où je m'occupe de toute l'infrastructure avec 4 autres personnes qui est auto-hébergée chez eux. Donc voilà, c'est beaucoup de sysadmin, un peu de démons dessus. Et récemment, j'ai rejoint l'association SRE France avec Pablo, comme il a annoncé dans les actualités du groupe. Donc, on va parler de provisioning. Du coup, provisioning, à quel moment est-ce qu'on peut en parler? Donc, il y a beaucoup de cas de figure dans lesquels on va vouloir provisionner une instance. Quelque chose que j'ai déjà rencontré dans Google, c'est d'avoir une instance qui démarre dans un cloud provider. Et on va avoir du Cloud Init ou du Ansible qui va venir par-dessus pour déployer une configuration. Souvent, l'exemple que je donne à des personnes qui sont moins à l'aise avec tous les sujets Ops, DevOps, etc., c'est de leur expliquer qu'avec du Terraform, on va déployer des boucles vides. Et en fait, avec du provisioning, donc Ansible, Cloud Init, etc., on va injecter notre propre logique business au sein des instances qu'on a déployées, au sein de l'infrastructure qu'on a déployée. En d'autres termes, en fait, on va pouvoir prendre notre Terraform d'une entreprise à l'autre, qui ne changera pas grand-chose. Mais par contre, l'Ansible, ça, c'est quelque chose qui est assez intime avec l'entreprise. On a notre propre configuration et notre propre logique business, vraiment, qui est définie. Donc ça, ça peut se faire au moment où l'instance démarre. On va pouvoir la provisionner, installer des choses dedans. Et si on veut vraiment diminuer ce temps de provisioning, on va pouvoir créer ces images en amont. Quand je parle d'images, je parle de VM. Ça peut être aussi des conteneurs Docker, mais bon, on va rester sur la partie VM. Où en fait, là, on va builder, construire ces images à proprement dit à travers une pipeline. Et ça va nous permettre d'avoir des images qui sont vraiment configurées, prêtes à l'emploi et prêtes à utiliser dans notre cluster, dans notre infra, peu importe l'environnement. Voilà, ça, c'est un peu les deux use cases que j'ai relevé un peu en provisioning sur ces derniers mois. Bon, après, il y en a d'autres. Hein, chacun voit un petit peu comment provisionner son infrastructure. Et nous, on va un petit peu se concentrer sur la partie vraiment configurer une instance lors du démarrage. Donc maintenant, en termes d'outils sur l'écosystème, voilà, il y a quand même Ansible qui est omniprésent depuis quelques années. Ensuite, on va avoir Cloud Init qui est aussi assez présent puisque intégré en fait à la plupart des distros Linux comme Ubuntu par exemple. Et puis après, on a Chef Puppet. Alors ça, j'ai personnellement jamais utilisé ça en prod ou des choses comme ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu sur la pente descendante depuis quelques années. Donc, mais voilà, ouais, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu utilisé. Donc je trouvais ça assez pertinent de les citer et de les présenter aujourd'hui. Et nous, on va voir Ignition. Donc l'objectif, c'est pas de dire pourquoi Ignition c'est le meilleur et pourquoi les autres sont moins bien. Absolument pas, on n'est pas du tout dans l'optique là, on est plutôt dans l'optique de montrer que Ignition peut s'utiliser en complément d'Ansible. L'un n'empêche pas l'autre, et en fait, l'objectif, c'est de montrer comme d'habitude, dans l'open source, on est content, il y a du choix, et la principale chose à faire, c'est de trouver réellement qu'est-ce qui fit le mieux avec ce qu'on a envie de faire et notre workflow. Donc, c'est parti pour présenter un nouvel outil qui est Ignition. Donc, je ne vais pas le comparer par rapport à Cloud Init ou d'autres, je vais plutôt dire quelles sont ses principales caractéristiques. Et comme ça vous permet d'avoir un peu une idée de qu'est-ce que c'est Ignition. Donc en fait Ignition, ce qu'il faut savoir déjà, la particularité c'est que ça roule une seule fois au premier boot de l'instance, et une fois que notre instance est bootée et qu'elle est bien provisionnée, et ben, en fait Ignition ne sera plus exécuté à chaque reboot. Par exemple Cloud Init, lui, à chaque reboot de l'instance
il va s'exécuter. Ignition, ça roule qu'une seule fois. Et aussi, petite particularité, ça roule au niveau de l'initramFS. Donc, avant que le système ait complètement pivoté sur le root file system, on va avoir tout ce petit monde qui se fait dans l'initramFS, tout est chargé à ce niveau-là, et tout va être exécuté à ce niveau-là. Donc, ça nous permet de faire des choses un peu plus bas niveau, comme faire du partitioning de disque, par exemple. Donc, la machine résultante de ce provisioning, elle démarre dans un état qui est tout ou rien. Donc, ça veut dire soit le provisioning a échoué, et à ce moment-là, on décide de ne pas faire booter la machine, donc on va atterrir dans l'emergency shell, soit en fait la machine démarre, et ça veut dire que toutes les étapes technician ont été faites avec succès. Donc, on n'a pas une machine qui est dans un état intermédiaire où on va devoir la reprovisionner par derrière ou réfléchir à des hacks pour dire que ça, si ça n'a pas marché, ben on va faire rouler ça. Donc là, c'est tout ou rien. Des fois, c'est relou parce que ça va nous empêcher de voir vraiment qu'est-ce qui va pas. On va tester plusieurs configurations avant d'en avoir une qui fonctionne. Mais une filière en production, c'est assez intéressant parce qu'on est sûr qu'une fois que la machine boot et que la configuration est bonne, normalement, si tout va bien, elle peut rouler tout le temps. Les configurations sont déclaratives, pas possibilité de faire quelque chose de dynamique, donc d'ajouter des variables, d'ajouter des conditions. C'est déclaratif, donc ça décrit un état de la machine qu'on veut atteindre. Et si vraiment on veut rajouter de la logique et des choses dynamiques, et ben on va pouvoir définir des unités système D qui vont, elles, s'exécuter par la suite une fois que la machine est démarrée. Mais en termes d'ignition pur et dur, on n'est pas en mesure de pouvoir faire quelque chose de dynamique. Et dernière chose, les configurations sont écrites en JSON. Et donc, libre à vous de écrire du JSON si ça vous enchante. Mais il y a des outils qui existent, comme Dutail, qui permettent de générer en fait, cette configuration ignition et d'avoir même un petit peu des fonctionnalités en plus. Donc, voilà, ça, c'est ignition. Aussi, une particularité, je trouvais intéressante de la citer, c'est que c'est un binaire qui est écrit en Go. Donc, en fait, il est juste chargé dans l'initramFS, aucune dépendance, si ce n'est quelques dépendances système. J'ai en mémoire du setfiles, par exemple, si on fait du SE Linux par derrière. Donc, ça, il faudrait que les dépendances système soient installées dans l'initramFS en plus. Mais sinon, globalement, il n'y a aucune dépendance comme on peut avoir avec Python, des choses comme ça. Là, c'est, une fois que c'est compilé, c'est bon, ça roule. Là, c'est un exemple de configuration. Donc, c'est tout bête. Hein, c'est du JSON, comme j'expliquais. Là, on va juste écrire un fichier dans /etc/config. Et je vais mettre un contenu dedans qui est example file. Donc là, c'est issu de la documentation officielle. Ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une version. Donc, l'aspect ignition suit un versionning. Voilà, c'est juste quelque chose à savoir. Et avec ça, tous ces petits éléments, on va pouvoir décrire vraiment une configuration qu'on veut pour avoir la machine qu'on souhaite. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec Ignition? On va pouvoir, classique, configuration, création d'utilisateur, avec les clés SSH qui vont avec le Home Directory qui va avec, si on veut le créer ou pas. Définition de service système D, donc ça, c'est ce que je vous disais tantôt avec la partie définition de choses dynamiques. Et donc là, en fait, on va pouvoir non seulement les définir, mais on va aussi pouvoir les activer ou non. On va pouvoir les masquer ou non. Donc, si on n'a pas envie d'avoir un système de mise à jour qui se met automatiquement en marche, comme il y a sur Fedora CoreOS ou sur Flatcar, le Update Engine ou Locksmith, on va pouvoir les masquer ou les désactiver. Petite nouveauté avec les dernières versions, c'est qu'on va pouvoir faire du chiffrement, des chiffrements avec Lux. Ça, c'est vraiment sympa. Et qui plus est, si vous ne fournissez pas de clé au moment du boot, en fait, Ignition va en générer une pour vous. Et ensuite, vous pouvez la récupérer sur la machine pour en faire ce que vous voulez. Mais voilà, ça peut fonctionner de manière complètement transparente à ce niveau-là. On peut aussi passer des arguments au kernel, donc assez pratique. Lorsqu'on n'a pas accès, par exemple, au GRUM ou qu'on n'a pas accès à la console et qu'on peut injecter des kernel parameters au premier boot. Donc ça, ça va être possible. On peut aussi les retirer s'il y a des éléments qu'on ne veut pas. Par exemple, un auto-login qui est dans le command line et on a envie de l'enlever, ben là, on va pouvoir faire ça avec Ignition. Création de dossiers, création de fichiers. Voilà, vraiment pas mal de choses qui sont possibles de faire avec ça. Tout ça en mode déclaratif.
Du coup, comme je vous expliquais, ce qui est recommandé, c'est de générer un peu sa configuration. Donc là, on a un exemple affiché à l'écran de config en fait, qui est généré à partir de Butane. Donc Butane, c'est un config transpiler. Donc c'est simplement, ça va prendre en entrée un fichier YAML avec une définition de l'état qu'on souhaite avoir. On transpile la configuration et hop, on a du ignition en sortie. Donc d'un côté, on a du YAML qui est un peu plus surfanie à écrire et de l'autre, on a du vide. Attention, ça ne s'arrête pas là. Hein. Ce n'est pas juste ça va marcher on marcher le YAML et leur sortir en JSON. Il y a un petit peu de logique qui est définie pour chacune des variantes qui sont supportées par Butane. Donc là, en fait, on voit qu'il y a une variante qui est définie qui est Flatka. On a aussi Fedora CoreOS ou OpenShift comme variante. Et en fait, ça va être possible pour le développeur de Butane de pouvoir rajouter un petit peu de la logique custom à chacune des variantes de manière à injecter en fait un ignition différent selon la variante qu'on utilise. Principalement, si on veut faire du partitioning et qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles sur Fedora CoreOS parce qu'ils ont protégé une certaine partition pour mettre certaines choses, par exemple un OEM, et ben, là, on va dire à l'utilisateur, attends, tu souhaites partitionner une partition qui normalement est réservée au Fedora CoreOS. Donc ça, on va pouvoir ajouter de la logique comme ça, un peu de la manipulation au moment de la transpilation. Bref, quand on va traduire le YAML en JSON. Donc, et là, du coup, on voit bien à gauche l'exemple que j'ai montré tantôt en JSON. Et là, à gauche, on a en fait le YAML. Et du coup, maintenant, on va regarder un petit peu tout de suite la démo où j'ai, pour une fois, décidé de partir sur une démo qui était un petit peu plus parlante que d'habitude. Je ne voulais pas juste faire un Hello World. Donc là, en fait, c'est issu de la documentation Flatka. On a une configuration Butane qui va faire une chose, c'est démarrer notre instance en mode FIPS, donc standard de sécurité américain. Et du coup, pour démarrer notre instance en mode FIPS, il faut plusieurs choses. Déjà, il faut un argument kernel FIPS égale 1. Ben, ça tombe bien, avec Ignition et Butane, on peut faire ça. Donc, je le définis. Ensuite, on a un fichier vide slash etc slash systemfips qui doit être présent pour Crypt Setup. J'ai un fichier etc SSL OpenSSL pour la configuration du FIPS provider pour OpenSSL. Et puis, on a un systemd qui, lui, va faire justement un petit peu de logique qu'on a envie d'avoir au moment du boot, c'est-à-dire préparer OpenSSL pour être en mesure d'utiliser le FIPS provider. Donc là, on a un vrai exemple de prod qui est issu de la documentation de comment utiliser Butane et générer sa configuration JSON. Donc, là, on va voir ça. Et du coup, si je passe à la suite, donc là, on va vraiment avoir la partie config transpiler. Donc, c'est assez simple. Hein. J'injecte mon YAML en entrée et en sortie, j'ai un ignition pour JSON. Donc, juste en appelant le binaire Butane. Et on peut voir mon ignition qui est produit. On peut voir, tiens, par exemple, il y a une petite différence, c'est que mon fichier etc SSL OpenSSL, il est gzippé. Ouais, et du coup, il est aussi affiché en base 64. Donc là, en fait, je vais avoir une compression de mon fichier et puis un encoding pour simplifier en fait la taille du fichier JSON. Et puis, on peut voir que toute la partie init systemd, elle est complètement streamifiée. Donc, on voit que si là, on avait écrit ça à la main, ça aurait pris un petit peu plus de temps. Et beaucoup plus d'erreurs, bien sûr. Et donc maintenant, je vais pouvoir démarrer mon instance Flatka en fournissant ce fichier ignition, cette configuration. Du coup, là, l'instance, elle boot. On va arriver dans l'intramfs. Là, ignition est en train d'être exécuté. Il est en train de lire la configuration et hop, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on vient de redémarrer. Parce qu'en fait, il a vu qu'il y avait un argument kernel qu'il fallait rajouter, qu'il fallait réinjecter. Puis il a redémarré avant même d'avoir booté le système en fait, dans l'intramfs. Il a redémarré la machine pour réinjecter le FIPS égale 1 dans la command line du kernel. Et là, on boot normalement. Et puis, même si on surveille un petit peu les logs systemd, on devrait voir le enable FIPS unit. Alors voilà, enable OpenSSL FIPS provider qui est ici. Et du coup, donc là, on peut voir. Bon, maintenant, mon instance est bootée. Et je vais quand même checker pour être sûr que tout est beau. Et donc, on voit bien dans le prog command line que j'ai un FIPS égale 1 qui est ici. Donc, c'est super, il est là. Et puis après, si je m'amuse à regarder systemd, on peut voir que j'ai un enable FIPS qui a roulé comme convenu
et qui est écrit comme défini dans la configuration user. Du coup, on va revenir un peu au slide. Pour aller un petit peu plus loin, comme j'expliquais au niveau de Flatcar, on a des patchs downstream qu'on ne upstream pas pour l'instant, parce qu'en fait, les développeurs d'Ignition, qui sont les personnes de CoreOS, donc Butane aussi est développé par CoreOS au passage, on cassait la compatibilité entre V2 et V3. Donc, c'est un choix. Des fois, quand on a des API, on décide est-ce qu'on fait backward compatibility ou est-ce que on brise tout et on passe directement en V3. Pour CoreOS, c'est compréhensible d'avoir fait directement du V3 parce que là, on parle en fait d'une configuration qui est exécutée une seule fois sur une instance. Donc en fait, si on voit que notre config elle marche plus, et ben à ce moment-là, on sait qu'on doit la migrer en à une version supérieure. Et voilà. Mais du coup, ça peut impacter ou pas la prod. Et chez Flatcar, on a un petit peu cet état d'esprit de l'objectif, c'est de zéro impacter la prod. Et donc, on a, avant de faire la migration en V3, qui est toute récente, qui date d'il y a quelques mois, on était encore en V2 et on réfléchissait en fait comment justement pas impacter les utilisateurs. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté une traduction en fait de la V2 à la V3 qui automatiquement traduit V2 à V3 la configuration Ignition. Et du coup, ça permet en fait de. J'ai l'impression que j'ai frisé. Ah, tu peux couper mon appel, s'il te plaît. Je vais en partager du coup. Peut-être à bouger. Ouais, c'est vrai. Bon, là, c'est vrai, venir. Bon, en tout cas, le micro, on entend encore, donc ça, c'est bon. Du coup, voilà, avec Flatcar, on a quelques patchs downstream qui sont encore maintenus. Et la plupart, quand même, ont été upstreamés au niveau de l'émission. Et Butane aussi, on a ajouté la variante de Flatcar. Les contributions sont plus que bienvenues sur ces deux projets. C'est super intéressant de bosser avec eux. Il y a quand même des grands noms de chez CoreOS qui bossent là-dessus et qui sont investis dessus, comme Benjamin Gilbert. Donc, c'est super intéressant de bosser avec eux. On apprend beaucoup. Et surtout, vu que c'est exécuté par Ignition, IntraMFS, on va avoir des challenges qui sont assez intéressants, qu'on n'a pas en fait d'habitude dans du développement classique. Pour terminer, merci de votre attention. J'ai mis la plupart des liens que j'ai utilisés, donc que ce soit la documentation Ignition, les exemples, Flatcar ou même ce que j'ai utilisé pour faire les effets carbone sur les photos. J'ai tout mis ça, mais je vois que ça apparaît pas parce que là, il y a le réseau. Mais en tout cas, je partagerai ça sur la page GitHub comme à chaque fois. En tout cas, merci de votre attention. Merci Mathieu. J'avais quelques questions. Alors, principalement, une question qui vient à la tête, c'est à niveau des outils pour le testing ou de la CI. J'imagine que c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de outils spécifiques. Je parle avec un cible, tu as un testeur pas qui te permet de valider que l'état que tu as défini. Ouais. Du coup, je pense que tu peux utiliser la même chose, mais est-ce qu'il y a des outils spécifiques ou pas? Ouais, tu as un binaire qui s'appelle Ignition Validate, qui lui va juste déjà te faire une vérification de ta configuration. Est-ce que tu n'as pas fait une typo? Est-ce que tu n'as pas oublié un argument? Est-ce que tu n'as pas fait. Donc, il va non seulement checker ton JSON, mais en plus de ça, il va checker est-ce que ça correspond au spec Ignition que tu as déclaré en version. Et ensuite, pour la partie runtime, quand tu as vraiment testé que ça a été provisionné, non, il n'y a pas d'outil spécifique. Spécifique, mais ouais, on pourrait imaginer un équivalent molécule là-dessus pour voir que ton instance est bien produite. Mais par exemple, pour les tests automatisés de Flatcar, ce qu'on fait, c'est qu'on va définir en fait, une configuration et puis une fois que l'instance est bootée, on regarde est-ce que ça correspond à ce qu'on peut avoir en fin. Je ne sais pas si dans le chat il y a des autres questions, n'hésitez pas. Du coup, j'ai complètement perdu le réseau. C'était peut-être le pizza. Ouais, je veux bien qu'il descende. On envoie Adrien en train d'écrire sur le chat. Ouais. Pas de question. Ok, merci Adrien pour la confirmation. Ok, merci encore une fois Mathieu. C'est bon, Adrien, je vous remercie. Ça. Merci à vous. Du coup, je ne sais pas si on peut passer des sorties de flight. Mais on sait c'est bon. J'ai perdu un peu. Je crois que tu as encore un terrain qui va bouger encore. Ah, tu sais que ça lag en fait. Ah, ben là, elle est partie avec ton téléphone. Ouais. Ouais, mais peut-être que j'ai du cache. Ah, ouais, non, je suis bête. Je pense que... j'ai pas les slides de Pablo. Il restait quoi? Non, c'était juste la celle de la fin, mais juste pour faire là.
Parce que du coup, là, j'ai plus de. Ok, mais tu veux, je peux partager. Ah non. Tu veux du réseau sur mon téléphone? Ouais, c'est le bien. Moi, je suis très bien. Bah écoute, je ne vois pas. Bon, est-ce que... Alors, attends. Faut pas toucher l'écran. Ouais, c'est bon, je suis dedans. Je vais pas faire le tout. Voilà, je l'envoie bien. Bah, du coup, ça n'a pas. Du coup, juste par rapport aux questions, on parlait des questions pour les prestations, mais aussi des façons générales. Je passais la question par rapport au meet-up, mais c'est que je disais au début, c'est qu'avec Mathieu, on sait que peut-être ce qu'on va faire aussi pour organiser les prochains événements en dehors de Paris, que, bah, on est en train de réfléchir, mais l'idée, c'est de définir une sorte d'agenda des nouvelles villes où on pourrait faire le meet-up. Comme ça, ça permet aussi de, comme ça, aux speakers, de savoir où est-ce que s'ils veulent venir à la Moine en particulier, savoir où ça va être. On ne va pas forcément définir la date à l'avance, parce que peut-être on ne sait pas encore. L'idée, c'est d'avoir un calendrier, de dire, par exemple, la prochaine fois, ça va être à Nantes, la prochaine à Lille. Voilà. Du coup, ça, on va définir. Du coup, évidemment, on va essayer de partager ça à l'avance avec tout le monde. Voilà, du coup, n'hésitez pas, après, si vous avez des autres questions sur ces meet-up-là ou des questions générales, de participer à la discussion dans le groupe Telegram. Et aussi pour finir, on va après partager la vidéo et les slides aussi. Pour qu'on s'en fait un peu un récap pour les gens qui n'ont pas pu venir, qui puissent regarder ça après, ou les gens qui sont là aussi, qui puissent regarder les slides s'ils ont besoin. Et voilà, et du coup, ça c'est tout. Du coup, merci à tous les speakers, en tout cas à Mathieu et Yann pour être là. Et merci aussi aux gens qui sont là en remote d'avoir tenu jusqu'à la fin. C'était une session privilégiée. Ouais, alors. C'était vraiment un truc intime là. Vraiment, que pour vous. Non, c'était super sympa. Et du coup, voilà, du coup, maintenant, c'est le moment de l'apéro. Désolé pour ceux qui sont en remote, mais bon, voilà, ça, c'est pour les gens qui sont sur place. Et en tout cas, bon, merci à tous. Et voilà, à un prochain meet-up. Voilà. Merci et à bientôt. Bon, salut, au sommet. Bon apéro.